Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui eh bien je vous retrouve pour tester la marque Elmer's. Alors c'est une marque qui propose des colles, des kits de slime, toujours pouvoir réaliser du slime bien évidemment. Et donc ça c'est plutôt cool. Alors évidemment j'ai été contactée par la marque pour pouvoir tester leurs produits. Alors là vous voyez devant moi eh bien j'ai tout un tas de colles de leur marque avec ainsi les produits magiques pour pouvoir réaliser le slime. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et ils m'ont également envoyé plein de kits de slime qu'on va tester dans plusieurs vidéos. Et donc évidemment, eh bien, j'ai accepté. Donc le fait de pouvoir tester tous ces produits-là gratuitement, c'est plutôt génialissime. Et en même temps, mes petits chats, on a organisé pour vous un méga, méga concours. Alors s'il vous plaît, restez connectés parce que ce concours-là, eh bien, il en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et ça va être à l'occasion de mes 200 000 abonnés pour vous remercier d'être toujours aussi présents sur la chaîne. Et donc voilà, alors j'ai vraiment hâte de tester eh bien, tous ces petits produits dans cette vidéo. Donc on va réaliser plusieurs petits slimes aujourd'hui dans cette vidéo avec les produits de la marque Elmer's. Alors évidemment, mon petit chat, si vous voulez retrouver ces produits-là pour pouvoir vous les procurer, eh bien, vous pouvez les retrouver dans les magasins de grande surface comme le Carrefour, comme le magasin Leclerc. Vous pouvez également les retrouver eh bien, très très souvent dans plusieurs magasins de papeterie et également eh bien, retrouver tous ces petits produits sur Internet. Je vous mettrai quelques liens où vous pouvez les retrouver, donc n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos. Eh bien, voilà les petits chats, maintenant que tout est dit, eh bien, on va pouvoir commencer ces petits tests. Let's go! Alors, eh bien, on va commencer tout de suite avec ce premier slime, mes petits chats. Et donc, pour ce premier test, eh bien, je vais tester la colle métallique, qui est celle-ci. Et je vais également tester le liquide magique, qui est le confetti. Alors, eh bien, ces liquides magiques, apparemment, ils sont vraiment juste génialissimes pour pouvoir créer le slime. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour ce premier test. Alors, eh bien, premièrement, je vais donc rajouter un petit peu de colle métallique. Alors, pour aller un petit peu plus rapidement, mes petits chats, eh bien, écoutez, je vais ouvrir ça comme ceci. Donc, hop, je vais déverser la colle comme ceci. Alors, il me semble que la colle est quand même assez épaisse. Donc, c'est plutôt cool. Donc, j'espère que le slime ne va pas être trop, trop épais non plus. Alors, eh bien, pour être sûr d'obtenir une jolie consistance, je vais donc rajouter un petit peu d'eau. Donc, ça, je fais généralement avec toutes les colles pour pouvoir réaliser du slime. Je trouve que le slime, eh bien, généralement, a un meilleur rendu avec l'eau. Donc là, je le mélange comme ceci. Et maintenant, mes petits chats, c'est le moment de rajouter le liquide magique confetti. Donc c'est parti, j'en rajoute un tout petit peu. Alors, voyons voir. Donc je rajoute ça comme ça et je vais en rajouter progressivement s'il le faut. Alors c'est parti, je mélange bien tout ça. En tout cas, c'est hyper joli. Regardez mes petits chats. Ça se forme directement, donc c'est vraiment cool. Et bien voilà mes petits chats, mon slime est enfin terminé et voilà à quoi il ressemble. Il est juste magnifique, regardez-moi ça. Il est trop trop beau, il s'étire méga méga bien. Franchement, j'aime trop. Et avec tous les petits confettis à l'intérieur, je trouve ça trop, trop, trop joli. Et alors, le liquide magique, mes petits chats, c'est vraiment une tuerie. En 2 secondes, on réalise notre slime. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec de la solution pour lentilles, du bicarbonate dessous, de la lessive, bref, tout un tas de produits qui, à la longue, nous épuisent parce que, clairement, des fois, on ne sait pas comment les doser. Et là, eh ben, vous mettez 2-3 petites gouttes et c'est parti. Vous obtenez votre slime. C'est juste génial ce liquide magique. Et celui-ci au confetti, franchement, il est génialissime. Donc mes petits chats, de toute manière, je vous mettrai tous les petits liens des produits en barre d'infos s'ils vous intéressent évidemment. Mais regardez-moi cette beauté, franchement. C'est juste trop trop chou. Et cette colle métallique est vraiment trop trop jolie aussi. J'aime trop. Regardez comment il s'étire, s'il vous plaît. Alors, pour
pour ce deuxième slime, mes petits chats, à présent on va réaliser un galaxy slime. Et cette fois-ci, eh bien, on va avoir besoin donc de colle pailletée de la marque et ainsi que le liquide magique transparent de la marque. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Let's go! Alors pour réaliser ce galaxy slime, eh bien, je vais ajouter de la colle pailletée bleue, voilà comme ça. Encore un petit peu, c'est parfait. J'ajoute également un peu de colle rose. Voilà, c'est parfait. Ensuite, et eh bien dernière couleur, j'ajoute de la couleur mauve. Parfait, parfait. J'ajoute à présent un petit peu d'eau, voilà. Et je mélange bien le tout. Et ensuite, eh bien, on va rajouter le liquide magique, quelques gouttes. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et je mélange bien le tout. Bon, eh bien, vous voyez mes petits chats, hein, ça prend 2 secondes pour pouvoir réaliser son slime avec ce liquide magique. Je suis vraiment trop contente. Franchement, je suis amoureuse de ces produits magiques. Je les trouve vraiment mais très magiques. C'est le cas de le dire, franchement j'adore. Et à présent mes petits chats, eh bien n'hésitez pas à malaxer votre slime avec vos mains. Alors eh bien voici mon Galaxy Slime mes petits chats. Je sais pas comment vous le trouvez, mais franchement moi, je le trouve trop beau. Alors certes j'aurais dû rajouter un petit peu plus de bleu qu'autre chose, mais il est vraiment magnifique quoi. Je suis trop contente, regardez-moi cette beauté. C'est une merveille et il s'étire méga bien. Regardez comme c'est joli. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop mes petits chats. Ça s'étire méga bien. Je suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop beau. Eh bien, on va réaliser un troisième slime avec de la colle de couleur bleue tout simplement qui est lavable. Donc ça c'est super cool. Et on va également utiliser le liquide magique crunchy qui est hyper croquant. Eh bien écoutez moi j'ai hâte de le tester celui-là aussi. Et on va voir ça tout de suite ce que ça va donner. Let's go! Alors eh bien premièrement je vais commencer par ajouter la colle qui est lavable. Alors celle-ci est beaucoup plus fluide que toutes les autres. Je trouve en tout cas. Je vais également, mes petits chats, rajouter un petit peu d'eau. Voilà, c'est parfait. Alors, eh bien, je touille. Et maintenant, eh bien, je rajoute mon liquide magique qui est crunchy. Donc, c'est parti. Ok. Alors, il y a plein de petites billes polystyrène à l'intérieur. Donc, c'est plutôt cool. C'est vraiment génialissime. Donc là, je pense qu'il y en a assez. Et c'est le moment de touiller. Waouh, c'est trop joli. Vous voyez directement, ça se forme, mes petits chats. C'est trop cool. Et donc maintenant, mes petits chats, eh bien, c'est le moment de travailler ce slime avec mes petites mains. Et je vous retrouve juste après. Eh bien, voici, mes petits chats, mon crunchy slime. Il est vraiment juste génialissime, je l'adore, il est vraiment trop beau. Regardez-moi cette beauté, regardez comment il s'étire, c'est juste canon mes petits chats, j'adore. C'est vraiment trop chouette, regardez-moi ça, il est trop chou, vraiment trop chouette, je le trouve trop fun. Et bien à présent, je vais donc terminer par tester la colle qui change de couleur. Et évidemment, je vais également tester le liquide magique métallique. Et bien on va voir ce que ça donne. Let's go! Alors, je commence tout de suite par ajouter la colle jaune qui normalement doit changer de couleur en couleur rouge. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, je rajoute un tout petit peu d'eau, c'est parfait. Je mélange bien le tout. Et je vais donc rajouter à présent un petit peu de liquide magique métallique. Alors j'en rajoute comme ceci à toute petite dose. Et c'est parti, je mélange bien le tout.
Eh bien, voici mon dernier slime. Mes petits chats, il est vraiment mais magnifique. Alors, normalement, la couleur devait passer au rouge. Alors, ça ne l'a absolument pas fait. Peut-être qu'en laissant reposer ce slime, peut-être que la couleur va changer. Je ne sais pas. Je dois encore me renseigner là-dessus. Donc, on fera encore plein de petits tests dans d'autres vidéos. Mais néanmoins, la couleur est vraiment trop, trop belle. J'adore. Et regardez-moi comme il est canon. Regardez-moi ça. Il s'étire mais juste méga bien. Il est hyper coulant. J'adore. Regardez. Je trouve ce slime est alors trop trop fun. J'aime trop. Il est trop beau. Et regardez-moi ça. Trop chouette. Petit disclaimer, mes petits chats, en vitesse, donc à l'occasion du prochain concours qui va avoir lieu sur ma chaîne, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir remporter 2 kits de slime par personne. Alors, il va y avoir vraiment énormément de gagnants, donc surtout, restez connectés. Et donc, les 2 kits en question, eh bien, ce sont ces 2-ci qu'on va tester dans une prochaine vidéo. Bon, eh bien, voilà, mes petits chats, cette vidéo est à présent terminée. En tout cas, je suis vraiment super contente d'avoir pu tester la marque Elmer's. Franchement, je kiffe, mais un truc de fou. Et je kiffe encore plus les produits magiques de la marque. Franchement, je suis extrêmement contente. En 2 secondes, votre slime est formé. Franchement, je suis red dingue de ces produits-là et je ne peux que vous les conseiller à 100%. D'ailleurs, mes petits chats, si vous voulez commander tous ces petits produits, eh bien, vous allez pouvoir retrouver plein de petits liens en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et bien, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la liker un maximum, mes petits chats. N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne, eh bien, si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et voilà. Quant à moi, je vous fais des méga gros bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!